Oui, on a prêté dans la diaspora à côté autorité américaine. Nous décidé de mettre disponible 35 000 visas, travail en plus pour travailler, qui voulait venir travailler aux États-Unis. C'est ça, le département de sécurité intérieure américain a annoncé semaine qui s'est passée à 35 000 visas. Ça, il y a 11 500 qui réservaient à citoyens qui sont en Haïti, Guatemala, à Salvador. Période livraison visa, ça qui est les H2B, commencé depuis 1er avril. Il passait pour bout 30 septembre Cap Vinila avec nous en ligne, correspondant permanent nous aux États-Unis, Luxon Saint-Ville. Luxon, bonjour. Qui Jean, y a un monde qui a appliqué pour programme ça, qui a avantage et inconvénient qui gagne dans la catégorie visa ça? Bonjour Pierre-René René, bonjour Gaïe Dussel, bonjour Robert Céline. Alors, vous posez une belle question, et question posée à pile monde à poser après que moi été fin faire un post sur Facebook côté qu'il y a pile monde qui intéressé et il a demandé comment un monde capable et qualifié pour visa ça. Avant même moi arriver sur qualification visa, on regarde qui ça visa ça est. C'est une catégorie visa que l'autorité américaine yo bail avec des étrangers, ça veut dire des monde qui pas vivre aux États-Unis qui ka permettre yo rentrer dans pays à venir travailler pour une période bien déterminée. Il y a deux types en de catégorie ça. Il y a un type qui est H2A, il y a un qui est H2B. H2A c'est un visa yo bail pour monde venir travailler dans jardin, ça veut dire un visa agriculture. Et H2B a lui-même lissé un visa non agriculture. Ça veut dire, ou pas pour travailler dans le jardin, ou pas travailler dans le store, ça veut dire dans des maquettes, dans des magasins, dans hôtel et même dans la construction, pour ne citer ça seulement. Donc, programme visa travail là, lui permet que des chefs d'entreprise qui aux États-Unis, qui sont capables d'embaucher ou bien recruter, prendre des mondes temporairement pour venir travailler, pour venir faire des travails bien spécifiques que des mondes pas choisi faire aux États-Unis ou bien compagnie a publié sur site internet li, et des postes comme ça ou bien des positions comme ça, il y a pas jeune monde pour faire travail ça, mais il dit que monde qui pour ta fait type de travail ça, c'est dans des autres pays yoye. Haïti était deux yon dans l'issa n'a pas rappelé sous Donald Trump. Parce que, en pile haïtien, t'es violé, principe là, y a monde qui vini ici, y aurait été, y aurait fait bagay qui, en dehors du programme, non, Donald Trump t'es metté Haïti dehors, et Joe Biden, année passée, soit en novembre, y a remetté Haïti sous liste pays qui, lui-même, éligible pour catégorie visa ça. Maintenant, pour me venir avec question ou t'es posé, hein, Luxon Saint-Ville et un monde qui décide, qui est intéressé à rentrer dans le programme, ça, il doit passer à travers un compagnie ou bien il doit jouer ou bien le café de manière individuelle. Alors, c'est là moi après arriver. Qui ça moi veut tout le monde captain de la connaît. Premier bagage, c'est que processus pour gagner ou bien pour recevoir un visa H2B ou bien H2A, ça ou le visa de travail pour venir aux États-Unis. Processus là, il commence aux États-Unis. Il commence aux États-Unis côté gagner un compagnie ou bien une entreprise qui lui-même trouvait des nécessités pour lui embaucher des mouns pour venir travailler aux États-Unis pour faire des travails bien spécifiques. Et moun sa yo y a sorti dans des pays et qui en dehors États-Unis. Première étape là qui s'allie, c'est que responsable entreprise ça, il doit soumettre une demande de certification de travail temporaire devant département de travail aux États-Unis. Avant même que demande ça lui-même et y aller, responsable là, il doit formuler yon demande claire pour dire que li vle moun sa vini et le département de travail américain a autorisé pour li mande moun sa pour rentrer aux États-Unis. Ça, c'est la première étape là. Deuxième étape là, responsable compagnie ça a bien pour nous recevoir un certificat de travail temporaire pour moun nan vin travail qui est le H2B ou bien H2A que direction de travail ou bien département de travail aux États-Unis
à Bali à travers une pétition. Ça veut dire compagnie l'a gagné pour lui recevoir un certificat qui autorise le cas mandé mon venu. Et après ça, compagnie lui-même l'a bien pour le remplir un formulaire qui est le I-129. L'elfine remplit, l'a soumet li bay service immigration américaine et après le fin soumet formulaire ça, autorité et le service immigration a bien pour approuver formulaire ça. Ça c'est deuxième étape là. Troisième étape, compagnie ça, compagnie qui besoin de monde pour venir travailler là bien pour le faire. L'a bien pour lui et informer ou bien s'il y a des monde dans des autres pays, par exemple Haïti, Salvador, Guatemala, qui ont même gagné 11 500 visas que l'autorité américaine était disponible pour eux. Compagnie qui doit chercher des gens qui sont dans le pays, ou bien des gens qui sont dans le pays, qui cherchent à connaître qui compagnie qui besoin de gens, m'a gagné pour nous vivre sur ça. Donc, les gens qui sont intéressés, par exemple, les gens qui sont intéressés qui Haïti, l'a gagné pour lui recevoir, premièrement, une copie de formulaire ça que compagnie a été rempli qui c'est formulaire I-129 là et l'a bien pour recevoir une lettre de travail. Moun sa qui intéressé a l'a bien pour suivre tout processus même l'ont qu'on a demandé un visa touriste et l'a metté bien spécifique l'a appliqué pour visa H2B le ça a connaît son monde qui besoin venir travailler aux États-Unis. Donc moun ki intéressé à la fondement de visa normal, la paye tout frais de pays normal et la annexé application l'an avec document que compagnie qui intéressé avec la voye bali qui se formulaire I-129 là et puis yon lettre de travail. Maintenant, on moun kap tande la li gèlwa di comment on moun ka jwenn yon compagnie qui a recruté moun. Il y a plusieurs façons. Première, par exemple, il y a des gens qui ont des familles, des amis aux États-Unis, qui ont peut-être au courant quelques compagnies qui ont recruté des gens. À travers familles, amis et proches ou gagnent aux États-Unis, ils sont capables d'informer. Il y a des gens qui ont recruté des gens. Ils ont peut-être contacté des compagnies directement et dit qu'ils ont des gens à Haïti ou bien ils ont invité des gens sur le site internet de compagnies qui sont capables de postuler. Et responsable compagnie est capable de garder le profil de mon pour être sûr intéressé et comme ça au café suivi à mon. Deuxième façon, on est capable de jouer mon compagnie qui a recruté mon aux États-Unis et puis pour demander visa de travail là, on est capable en contact direct avec une entreprise qui voulait recruter mon. Ça arrive avec un monde qui est en Haïti, qui est aux États-Unis, qui est une entreprise qui voulait mon travail. Si on contact avec une compagnie ça ou bien entreprise ça direct, ou capable de manifester volonté et compagnie à suivre toute procédure, voyez tout document bas où, et puis ou même ou capable de postuler. Et troisième et dernière façon, gagner un site internet que le département de travail aux États-Unis mettait bien spécifique pour question ça, côté monde est capable d'aller sur ce site là, chercher quel type de job qui est disponible, combien payer, qui bon compagnie a eu, na qui state lié ou bien na qui état lié na qui ville lié. Si internet ça on monde capte de là li capable noter c'est un site qui relé seasonaljobs.dol.gov c s e a s o n a l j o b s d o l.gov lo aller sur site ça site internet là approuvé. Ou après côté pour chercher job yo, qui type de job, qui boy ou yé, qui compagnie, combien cob yo paye, et yon même bon précision sur combien moun ki yo besoin. Yon a bagay qui important là sur site là, ou après côté yon djou, mais qui le travail l'a commencé, mais qui le l'a fini. Par contre, n'a pas rappelé que moun qui intéressé yon gagne période sorti 1er avril qui se passe là, jusqu'à 30 septembre 2022. Information qui est importante, Pierre-Renel Guerrier Bobsé, il y a un monde qui gagne un visa, ça, il est capable de rentrer aux États-Unis pour une période bien limitée. Ou un visa H2B ou H2A, ou pas carité au-delà de 3 ans. Un visa comme ça va venir pour venir faire un travail spécifique, ou qu'à passer et non temps maximum 3 ans. Après 3 ans, ou doit retourner dans le pays où, et pour retourner aux États-Unis, venir travailler dans le même programme, ça, on peut obliger de 3 mois
et pour venir éligible encore pour aller faire même processus vous faire demande visa H2BA et puis pour capable venir aux États-Unis pour l'autre période de travail. N'a précisé un monde qui rentre aux États-Unis sous un visa de travail. Selon ça, plusieurs avocats qui ne parlent avec, par exemple, Ronald Surin qui ne parle sous question ça, même si vous venez un Américain ou Américaine qui marie avant, depuis c'est sous visa sa rentrée, ou pas qu'il y a une résidence, soit obligé de tourner à Haïti pour aller dans une résidence, par exemple. En pile, non. Auditeur, nous, tu as aimé qu'on est. Est-ce que c'est voie régulière pour vous suivre? Al prend rendez-vous correctement sur internet, genre qu'on a habitué à faire, ou qu'elle fait demande visa. Alors, premier bagage pour le monde capitaine de la connaît, ou pas qu'à entamer le processus là pour compte. Processus là pour commencer aux États-Unis, à travers une compagnie qui lui-même gagne des positions spécifiques livrées au monde travail. Alors, il faut préciser que le département de travail avec le département de sécurité intérieure clair sur ça. Compagnie qui intéresse pour mon vinyo, faut que c'est des jobs que vous publiez sur site ou bien au terrain public. Côté vous devez montrer aux autorités américaines que vous n'avez pas qu'à joindre monde qui peut faire travailler ça aux États-Unis. Et c'est à partir de là, responsable pour analyser, pour garder, est-ce que effectivement, vous n'avez pas qu'à joindre monde ça, vous n'avez pas qu'à joindre personnel qualifié pour telle position ça y est, et là ça y est capable d'autoriser à demander un monde à l'étranger. Donc ça veut dire, un monde qui a été par exemple qui est intéressé, il n'a pas qu'à faire une démarche personnelle. C'est une compagnie des États-Unis qui poursuit le processus pour louer des documents baou et avec documents ça, ou bien un monde qui sait, une forme qui est I-129, accompagné d'une lettre que compagnie a voué baou, le ça ou capable d'aller sur le site internet de l'ambassade américaine. Pour faire même procédure ou qu'on est que yon moun qu'on fait pour lui demander yon visa touristique. Mais bagay pour moun yon connaît, c'est que faut que fait très attention avec racketeur, bluffeur qui pral demander moun pour payer kob pour yon capable appliquer pour yon pour visa travail. Yon moun personnel, yon particulier, pas qu'à appliquer pour visa travail. Moi, il y a plusieurs monde qui écrit, qui est en dîme, il y a monde qui a demandé 1000, 2000, 3000, jusqu'à 4000 dollars pour appliquer pour mon Haïti pour visa travail. On a pris un téléphone nous là. Et pas les trois monde qui a dit papa peut vous et moi. Comme si on bagaille blanc, fait tant qu'on n'a pas écouté. Et pas les trois monde qui a pris les là, papa peut pas la game, non, faut vous et moi. Comme si parler ou parler là, car il y a un 20 monde ou 30 monde. C'est quoi la monde qui comprend? Tenez non, on monde qui va gagner une famille aux États-Unis. Qui est-ce qu'elle est éligible? Si oui, est-ce qu'elle a besoin d'assistance domiciliaire parce qu'elle n'a pas gagné un monde? Alors, c'est une très bonne question que vous posez, Bob. C'est l'un monde éligible ou bien ou appliqué pour visa travail ou joindre pour rentrer aux États-Unis, tout bagaille sous compte compagnie qui a besoin de voir là. Ou capable de gagner une famille qui est capable de décider d'héberger ou même rentrer ou sous compte compagnie qui recevoir là. Et une bagaille qui est importante pour mon capitaine de la connaît. Lorsqu'on est sous visa de travail là aux États-Unis, ou pas qu'à travailler pour l'autre compagnie que compagnie qui est là pour venir aux États-Unis pour venir travailler pour l'IA. Il y a un peu de monde qui viole le principe ça et c'est une violation qui fait que sous l'administration de complan, il est retiré Haïti sous liste pays qui est éligible pour visa de travail là. Il y a des gens qui rentrent, compagnie a recruté pour venir aux États-Unis pour venir travailler, les arrivés ou pas travailler pour compagnie ça ou bien ils commencent à travailler et puis ils quittent. Donc ça veut dire compagnie qui a recruté pour la loi des États-Unis ou sous côte compagnie, c'est pour libre travail. Ou capable toujours de faire un cap héberger, mais il faut que toujours sous contrôle compagnie. Donc ça veut dire que les gens qui ont une famille États-Unis, c'est un atout lié, mais pas grand une famille États-Unis qui est capable de faire un visa de travail ou bien qui est capable de favoriser ou bien un atout pour jouer un visa de travail. Luxembourg-Saint-Ville, est-ce qu'on a transformé un visa touriste en visa de travail? C'est-à-dire, un monde qui a un visa touriste, qui a décidé à le faire demande pour rentrer dans le programme ça? Alors, dans toute recherche que je fais et parler, je fais avec avocat, je ne sais pas côté ça possible. D'ailleurs, un monde qui a besoin de travailler aux États-Unis, faut un pays qui est éligible pour le programme là. Donc, Haïti est éligible. Est-ce que quand il y a là un monde qui a un visa touriste et capable de rentrer le travail, je ne sais pas quoi ça. Parce que dans pile catégorie de visa,
un visa touriste, par exemple, il y a des gens qui rentrent avec visa touriste ici aux États-Unis, ils travaillent, ils dégagent, et en battable, ils dégagent, ils font ça, ils connaissent, ils font ce qu'ils font. Mais un visa touriste, ils étaient en visa touriste. Et un visa travail, ils étaient en visa travail. Par exemple, moi, je connais plusieurs jazz, plusieurs artistes de groupes musicaux qui rentrent vite aux États-Unis. Moi, ça n'a pas le même visa avec ou même, par exemple, Guerrier Dieu seul et Bob C, par exemple, qui ont un visa touriste. Un groupe, par exemple, comparé à un artiste qui rentre aux États-Unis, il rentre avec un visa bien spécifique. Autorité américaine, nous connaît le vin sous territoire, là, le vin travail. Il y a une quantité de temps, si vous voulez faire là, son visa X pour gain. Il y a un visa Y pour gain ou pas qu'à faire. Plus que temps au bas. Donc ça veut dire il y a différents types de visas. Donc ça veut dire automatiquement sur bon visa touriste c'est qu'à transformer en visa travail. Visa touriste c'est visa touriste, visa travail c'est visa travail. Et ça sort dit tellement clair et ça fait que journal tout pays a nous toujours dit nous pas seulement vin les nouvelles vin by nouvelles. Donc nous informer, nous former, nous distraire tout on humoriste tant pour Bob C qui font travail comme ça parce que pour lui lui c'est pas facile. Donc je nous faut lui faut avoir quoi pour payer pour ça. Donc ça fait que m'bal compose ma petite faire mon rire parce que on veut comprendre le travail humoriste là. Les acteurs sont journalistes du monde. Attendez, m'bal pose une question à deux grands volets. Prends ça ou prends temps pour répondre. Dans l'intervention, là, on se dit que ce travail américain pas qu'à faire ou pas voulu faire. Qui genre de travail, s'il vous plaît? Parce que quelqu'un a un peu de costume, là, qu'on est dans le bureau, on peut le mettre sur l'ordinateur, etc. Et puis, website, là, site, là, prend ça ou bien la gueule pour nous? Alors, dans le communiqué ou bien dans l'information que je viens de rechercher, pas vraiment gagné en spécificité pour dire bon ça c'est travail américain pas voulu faire en fait de l'autre monde qui dans de l'autre pays fait. Alors qui ça va là gagné plusieurs secteurs d'activité ici aux États-Unis gagné de travail gagné en catégorie de monde qui décide pas faire. M'bral pour exemple ça m'a gagné par exemple gagné des secteurs d'activité ici aux États-Unis. Ou après c'est Spanish qui fait yo, plus. Il y a un secteur d'activité où il y a un pile black fait job ça. Comme ça, tout il y a des secteurs d'activité où c'est bon américain qui fait yo, typiquement. Alors pour me venir sur visa travail là, H2B avec H2A, série ou bien secteur d'activité qui plus répété yo, par exemple H2A qui vient pour avec agriculture. Mon ami doit travailler dans le jardin, par exemple, dans la tomate, dans la question pomme, etc. Dans une grosse ferme qui gagne aux États-Unis. Donc, c'est des travaux qui sont extrêmement durs. Pour H2B, on a parlé là que l'autorité américaine a baillé 35 000, il n'y a pas quoi de 35 000 visas en plus. Dans 35 000, ça a gagné 11 500 qui pour Haïti et Salvador avec Guatemala. Secteur d'activité que moi ouais qui devant par exemple on s'ouvre le travail dans construction ou ça tout bien force ou bien poids aller sous chantier etc. Ça son type de job on veut qu'elle fait si il même il réussit gagne un visa ça gagne secteur d'activité qui gagne pour avec market par exemple un monde qui pas un problème pour le travail dans market si compagnie on dit un monde qui bon market aux États-Unis. Il décide de suivre tout le processus, il fait pétition, il remplit la forme, il voit l'aide bas ou appliquer, ou aller sur le site ambassade américaine, ou déposer, ou aller faire une interview, ou bon, l'on rentre ou pas un problème pour travailler dans la market, il y a un secteur d'activité comme ça dans la market, qui est capable de travailler. Il y a un tour dans l'hôtel, par exemple. Hôtel, son secteur d'activité qui a un programme visa travail, ça. Par exemple, ici, on a les landscapes, par exemple, mon cabine, couper les herbes et caïmou, on a rentré business, dans l'espace côté, on a fait belles bagailles, comme si on mettait fleurs, etc. Sous pas de problème pour travailler dans le secteur, ça, ils sont secteurs qui en dans tout. Donc, ça veut dire gagner plusieurs secteurs, par exemple, H2B qui parle culture,
dans quelque Samsung cité là si on n'a pas un problème avec ou qu'a vient travailler mais ça pas veut dire que Samsung dit là pas gain américain qui travaille là-dedans yo c'est compagnie à lui-même s'il estimait que il publier job ça il pas jeune monde pour ou bien pas jeune compétence il pas jeune personnel assez pour le faire yo programme visa travail la permettre que il mandé de l'autre monde qui dans de l'autre pays qui qualifié pour programme ça capable rentrer aux États-Unis vinn faire yo alors faut dire que ici pas gain complexe que aux américain qu'au black qu'au spanish pas gain travail monde pas fait sauf que chaque monde gain préférence yo et chaque secteur gain une communauté qui plus forte là-dedans pays qui là ça très important pays ou ça dit là ou dit que monde qui bénéficie visa ça a gain pour passer 3 ans aux États-Unis moyennant que s'il veut renouveler il faut qu'il retourne en Haïti donc dis-nous, pendant 3 ans, ça, est-ce que mon n'a pas accès pour aller à l'école? Et puis, mon n'a pas arrivé dans un pays, dans une langue qu'il n'a pas connu, pour éviter ou exploiter. Est-ce que la venue un accompagnement pour connaître le travail la faire qui comme vous devez aller? Alors, dans le programme, ça, il n'a pas précisé est-ce que mon n'a pas allé à l'école et est-ce que vous accompagnement, par exemple, dans le sens que vous avez Bali. Donc, c'est comme si, si je comprends le travail, c'est travail ou vient travail ou vient travail. Maintenant, il y a toujours un tout. Il y a toujours plus bon pour un monde qui peut aller pour type de visa ça. Sous si anglais ou sous, il y a encore plus bon. Et sous si espagnol ou tout sous, il y a encore plus bon. Pas oublier que ici aux États-Unis, communauté espagnophone est vraiment large. Non, ça me c'est pas 3 ans esclavage, c'est pas un esclavage mon n'abralé. Pendant 3 ans ça, est-ce qu'il y a accès si bon coup les besoins prend parce que par travail 24 sur 24 il y a rien à faire. Oui, c'est sûr que mon n'aime doit créer temps li, l'a gagner et salaire li normal, li capable peut-être dans temps li pas travail, li capable chercher l'école pour li aller, li doit décider prendre langue d'abord. Et si le pokokon parle anglais ou bien si compagnie qui recrute là, c'est plus espagnol qui parle, elle a décidé la long l'école espagnole. Quand on a tout si moun pendant une période, ça a fait l'autre bois, et lui ou a gen quelques domaines qui est capable d'apprendre. Si moun n'a senti courage, li café et travail et l'école, pas de problème pour ça. Parce que pral gen un horaire pour moun travail. Si moun n'a par exemple il travaille full time, j'ai moun dit ici à 8 heures par jour. On a qu'à décider que après 8 heures de temps ça a les cafons s'y dormir et puis ils cherchent l'école pour le mettre là ou bien mettre ton bagage technique sous les et maintenant mais pas connaît est-ce que si on a un visa travail est-ce que il est éligible pour lui apprendre n'importe ça ici aux États-Unis pas oublier il y a un statut qu'on gagne ici il y a une restriction qu'on gagne sous territoire là donc pas connaît est-ce que si on a un visa travail est-ce que le cas dans les portes l'école là l'apprenne? On ne pas finir quoi ça. Donc l'idée était pour nous faire plus de recherches pour nous connaître un monde qui a un visa de travail, qui niveau le cas arrivé, par exemple, pendant le travail, et puis pour le temps décider d'entamer une étude. Pays qui est éligible dans le programme, ça c'est Salvador, Guatemala et au fin que vous Haïti. Sous qui base vous faites sélection pays ça et l'élection de Saint-Ville? Alors, yo pas bay trop de détails sur qui jan yo prend pays ça. On fait dire plus que 80 pays qui éligible pour visa travail aux États-Unis. Alors, dernier ça n'a parlé de là, c'est yo communiqué que département sécurité intérieure mettait de yo et dans fin semaine qui s'est passé a pour dire que yo get 35 000 visa en plus. Visa H2B, m'a rappelé H2B c'est visa non agriculture, ça veut dire pas pour travailler dans le jardin, ou pour travailler dans l'hôtel, dans la maquette, etc., dans la construction, pour ne citer ça seulement. Donc, il y a 35 000 en plus, yo bay. Et dans 35 000, il y a 11 500 que réservé pour Haïti, pour Guatemala, pour Salvador. Ça ne veut pas dire que l'autre pays n'a pas gagné. C'est en plus que vous mettez ça. Yo. Maintenant, sous question critère là, et autorité américaine n'a pas bail trop de détails sur lui, mais sauf que, il a toujours rappelé que programme ça, programme qui permet de gagner un visa de travail pour rentrer aux États-Unis, il a pris avec objectif pour contribuer dans
bay support avec entreprise américaine yo et puis élargir voie légale pour yon monde qui veut venir travailler aux États-Unis venir légalement sans pas besoin passer en bas fil sans pas besoin rentrer illégal. Oui, nous sommes à Ville et gagnant aux amis qui disent nous là, comment parler de 3 ans, peut-être confirmer ou infirmer pour nous. Elle dit que nous ne doit pas arrêter pour 3 ans, ça peut dépend de durée contrat avec l'entreprise là. D'après le vini sous ça, et chaque compagnie a gagné et durée d'ailleurs. Et le site ça que je souhaite bailler là-bas, c'est seulement des membres à le retourner sur le site là, c'est seasonaljobs.org.gov, S-E-A-S-O-N-A-L, job, jobs.dol.gov. Sur le site ça, l'on va aller, compagnie a tout précisé, combien on a besoin, qui le travail a commencé, qui le l'a fini. Le par exemple compagnie a tout mais qui période et Luxon un moment pas oublier Philippe Panso n'a demandé n'importe qui gain site là correct la gueule pour nous sous live là Facebook ou YouTube probablement moun et qui gain téléphone intelligent cap sur journal là sous live là qui intéressé pour capable prendre site là puis bien Luxon capable faire nous joindre tout à l'heure. Oui, Luxon capable faire nous joindre tout à l'heure et puis Michel à mes bien. Oui, d'accord, mais pensez oui. Effectivement, m'a voué lien pour nous. Donc, l'on aller sur le site là, et où je ne vois pas qui besoin de mon mieux, il y a besoin combien de mon mieux besoin, qui le job l'a commencé, qui l'a fini, combien de payé, etc. Donc, le période, ça a fini, c'est compagnie à lui-même qui prend le connaître est-ce que l'a renouvelé pour une autre période. Ça va dépendre des gens au travail, etc. Alors, 3 ans, moi, dis, c'est quantité de temps maximum visa autorisé rester sous territoire américain. Donc ça arrive que vous finissez faire contrat avec une compagnie là, période là finie, et vous jouez dans l'autre compagnie et vous blaguez quoi. Vous jouez dans l'autre contrat et pour continuer. Donc ça veut dire 3 ans, c'est fourchette pour arrêter sous territoire américain avec visa de travail. C'est même un monde qui a visa touriste, vous ne pouvez pas dépasser 6 mois. Donc ça veut dire un monde qui a visa touriste, vous arrêtez dans le pays 6 mois. Il faut qu'on rentre dans le pays où après 6 mois, vous avez tourné comme touriste, vous avez tourné. Mais c'est même genre, visa de travail là, vous arrêtez pendant une période de 3 ans, la période ça finit, vous êtes obligé de retourner à la caillou, et après 3 mois, vous êtes capable. Si toutefois il y a des compagnies qui intéressent à vous, vous pouvez faire le même processus encore pour re-rentrer. Donc, moi je voulais dire que la période de temps où on travaille là, elle dépend de compagnies qui recrutent là. Mais visa travail là, il autorise au rester maximum 3 ans. Après ça, on doit quitter le pays. Luxon Saville, donc tout le monde qui postule, il va obligé d'accepter. Il n'est pas obligé. Est-ce que c'est l'entreprise là qui définit les critères ou du moins c'est. Alors chaque compagnie définit les critères. Par exemple, là on a les soucis de ça, ok, ou après compagnie qui a demandé mon nom, ou après tout détail, ou après un téléphone, ou après un site internet, ou après un email. Ou capable d'aller sur le site internet là, ou capable postuler ou manifester intérêt ou capable de briller ou souvler. Maintenant, si profil ou a intéressé compagnie, la prendre en contact avec vous et la confirmer que les besoins comme monde qui doit rentrer. Et puis, comme ça, elle est capable de faire processus, remplir forme là pour vous. Parce que dans la forme là, il faut qu'on paye à mettre nom, on a qui paye où y est, on sait des informations personnelles, et position niveau de travail là, qui s'allie, combien a payé, combien l'a duré, et puis pour le voyer, le bah, service immigration. Et c'est par la suite, service immigration pour le voyer, le document ça bah, qui est approuvé, et par la suite, et même l'a bien pour le transférer, tout ça, ou même. Pour l'appliquer sur le site internet ambassade américaine pour demander un visa de travail côté ou bien pour annexer l'application là et avec tout document de soutien l'aide compagnie et puis forme I-129 là que lui-même l'a bien pour le faire depuis aux États-Unis. Oui, l'autre nouvelle sur l'immigration avant d'aller, où tu as annoncé l'intervention là, Jean Saté a annoncé une nouvelle administration Biden, il dit qu'il n'a pas utilisé la loi qui était qui est le type 42A encore à partir 23 mai qui a venu là.
Effectivement, tu as plusieurs parlementaires, particulièrement dans la Floride, dans le centre culturel, dans Little Haiti, dans la Floride, Miami, et tu as rencontré la presse, tu as déjà annoncé que l'autorité américaine a parlé de décision ça, qui s'est campé sous loi, ça qui est le titre 42, qui t'a autorisé l'autorité américaine, particulièrement le service immigration, pour voyer tout net, tout migrant qui passait par frontière illégalement, pour pas même temps de yon, yon capable de déporter yon. Donc, titre 42 a te permettre ça. Eh bien, Jean Parlementaire te annoncé, département sécurité intérieure, dans la fin semaine qui s'est passé à là, yon annoncé que à partir de 23 mai qui a venu là, yon pral camper sous utilisation titre 42. A qui ça, ça veut dire? Ça veut dire, si avant, les hommes ont été convenus, ils ont été convenus à pimper le tourné à Haïti comme ça, l'issue passait par frontière terrestre, et c'est pas différent. Ce qu'on y a là, ils ont été obligés de suivre toute procédure, qui s'étend des mounins, pour qu'ils aient décidé de venir, ils ont besoin d'asile, il faut qu'ils suivent toute procédure, permettre que mounins expriment et disent pour qu'ils aient décidé de venir sur le territoire américain. Alors que les titres 42 n'ont pas appliqué, pas de bien ça. D'ailleurs, il y a un pile responsable et ou bien deux organisations qui défendent droits et migrants. Ils ont été montés au créneau pour critiquer loi ça que Trump, même Tevin Avel, ça qui était violé un petit peu droit migrant. Parce que pas même temps d'un pile là-dedans, ils ont juste voyé tourner en Haïti. Nous étions capables de faire ça, plusieurs voyages qui fait en Haïti. Ça, pour nous qui aime bien l'information, ça, c'est que 23 mai pour qu'on arrive, autorité dans le service immigration américaine précisé. Avant d'être arrivé, il a continué de déporter les migrants depuis après rentrer sous frontière là illégale. Donc c'est après 23 mai qu'il a campé sous ça. Mais avant ça, par exemple, de l'un à parler là jusqu'à 22 mai, depuis on est passé sous frontière terrestre États-Unis illégale, il a continué à appliquer même loi ça. Oui. Très bien, Luxon. Luxon, pour nous capables de finir, parce que vous dites qu'il m'a dit, il dit pendant espace travail, ça, 3 ans, est-ce que vous êtes capable de venir à la famille, de parler sur l'autre sujet qu'on dit tout à l'heure, est-ce qu'il est capable de rentrer, sortir en Haïti? Moi, je n'ai pas de précision ça. Même moi-même, je t'ai dit, est-ce que pas de bagaille comme ça qui est possible? Et avant qu'on parle avec vous, pour qu'on vous détaille sur ça. Oui. Maintenant, est-ce que si on vient travailler, qu'on tourne en Haïti, lorsqu'on a un visa ou un statut spécial, et service immigration, toujours demander un bagaille spécial pour déplacer quitter le pays. Par exemple, il y a des gens qui ont un TPS, pour rentrer en Haïti, ils ont une forme pour les suivre. Mm-hmm. Pour demander un permis de voyage, le ça, il y a ballon document qui rentre en Haïti pour le retourner. Maintenant, il y a un pile risque dans ça. Mm-hmm. Le par exemple, pour bon document voyage ou aller, ça qui arrive là, tourner, ou joindre un agent immigration qui collé au là, en pile question, et vous venez mal répondre, et vous tendez dehors, dehors. Dehors, c'est ça. Maintenant, pour visa travail, là, nous ne pas connaître ce que c'est ça. On a continué, bousquer les recherches, nous, et nous venons plus de détails pour vous dire, tu as dit, qu'est-ce qui arrive? Le bonjour pour nous à ta très chère épouse, qui nous écoute, qui nous regarde certainement, et puis ton papa, son année, c'était hier, Père Saint-Ville. C'était hier, c'est Mouramus Saint-Ville, homme de courage, homme de principe, il y a un papa qui levait 3 petites dans Cité Soleil, 2 jeunes garçons, il y a une petite fille, son tour au moins honoré, et moi toujours balancé le respect, son monde qui fait ça mieux aujourd'hui, et me profiter de l'occasion ça pour me souhaiter une bonne fête, même si c'était hier. Et m'a profité de saluer Madame Saint-Ville pour vous, même là, il était fait si fâché à vous, il était réconcilié, oui. Tout bagarre et tout. D'accord. Bonjour, Père Saint-Ville, ensemble avec Mamie Ounce, ou toutes ses amies, moi. Et donc, mes quelques jours, oui, on connaît la barbe-shop là, ah oui, c'est ça.